supposés avoir une partie là. Toi, le froid, moi, dire à tu joues en carré doré. C'est vrai que c'est réellement distrayant. Je ne sais pas quelle force vous l'avez faite avant de les envoyer sur la patinoire. Et les joueurs semblent être déçus de ne pas y être inclus. C'est toi, la face, Briquette! Pardon? Mais oui, c'est vous, Monsieur Briquette! Son grand-père te voit patiner sur le banc! Puis t'encourager quand il y a rien qui se passe! Mais. Puis envoyer n'importe quel trio! Sortir ton livre quand c'est temps de donner des instructions à des joueurs. Ah, ça. Puis prendre sa douche de purée à chaque fois que quelqu'un le regarde un peu trop peur. Non, mais. Et surtout, surtout, applaudir quand c'est l'autre équipe qui se tombe, ma James. C'est par politesse. Ça se peut pas. C'est sérieux, là, Kim. Supposez l'haïr, l'autre équipe. On l'entourerait. Mais oui, votre esprit sportif. C'est quoi les ligues mal, c'est de pas de prix de participation? Ben, j'ai jamais vu Canadien jouer aussi mal! Effectivement, les Canadiens dépassent les modèles au classement. Ben oui, hein? C'est un. Non, effectivement. Là, de leur montrer que je suis pas pour un clown! C'est pas facile. Toi, là, aide-moi. Ben là. Vous allez retourner sur le banc. C'est pas quelque chose d'inspirant, motivant à dire aux joueurs. Pas de prof du prêt, pas de statistique. Quelque chose qui vient du cœur. Ah oui, go! Allez, c'est tout de suite! Oh! 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 Bon, ben! Maintenant, bien tranquille! Et voilà! Ah, on en a deux! Tranquille! Moi, c'est ma fête aussi! Ah, c'est pas une de plus qui va changer grand chose! Tiens, bon, mes Canadiens jouent de même, là! Ouais! Bien, vous! On va pas m'en prendre, moi, aussi! Bob! Mais quoi? Ton cœur! Mon cœur! C'est quand tu perds de la tête, là, c'est con! C'était quoi l'idée aussi de vendre l'équipe en plein milieu de saison? Capitaliste! Ça veut juste faire la pièce, puis ça se fout les partisans! Pas bien, pour ça arrive. Ah non? Non. Viens-tu quand ils ont vendu les coccinelles de Saint-Jean-Baptiste en 2009? Ça, c'était pas beau à voir! Lui, des manifestations tout le reste de la saison régulière! On arrête de mettre petit quand ils se rendent compte qu'il n'y aurait pas de grand-mère. Mais là, nos petits gars! Donc, pis ils se font balayer comme la vieille poussière. Bonsoir, Rita Bois-Jolie. Nous sommes déjà à la fin de la deuxième période. Les Canadiens ont fait une remontée spectaculaire et ont monté, ont marqué plutôt 4 buts au cours de la deuxième période et ils ne s'en sont fait marquer aucun. Nous commencerons donc la troisième période avec un pointage de 7 pour les hirondelles et de 4 pour les Canadiens. J'ai avec moi les trois joueurs étoiles de la deuxième période, Yvan Perron, Louis Laflèche et Boucher. Oui, Boucher, c'est ça. Ça va Boucher. Benoît Boucher. Et bonsoir les gars! Bonsoir, Rita. Bonsoir, Rita. Hey, bonsoir, Rita. Tu pensais à ça, t'entends la radio de même. On croirait jamais que t'es belle de même. Bon, les gars, hein, c'est vraiment gentil. Mais là, c'est ça, les auditeurs, ils voulaient savoir quel est le secret de cette remontée spectaculaire. Arrêtez le palais! Je suis pas
Que vous me cachez quelque chose, là! Ben, voyons donc! On s'en va! Dans le quartier Saint-Henri.
Puis toi, t'étais pas capable de te mêler de tes affaires! Mais là! Voulais-tu que je te fasse un dessin? Tu le voyais bien que je voulais pas te parler! J'étais content de te voir! Ça faisait des années qu'on t'a pas vu! T'aurais pu donner des nouvelles à maman de temps en temps! Non! Je voulais d'une autre vie! Puis là, tu viens me la gâcher! Voulez-vous me prendre avec vous, Madame Flanagan? Vous êtes certaine que vous voulez être vue en ma présence? Arrêtez-moi ça! Peggy? Ben non, Johnny. T'as pas besoin de rien dire. Je suis pas la personne que tu pensais. Mais Peggy, t'as pas besoin de te sentir coupable de communier. Oh! Oh! Bon, je ne veux pas interrompre ce beau moment, mais nous avons un meurtrier.